Le point Linggu, soulagement immédiat de la sciatique. Dans l'acupuncture, il faut savoir qu'il existe différents points vitaux qui, lorsqu'ils sont travaillés, nous apportent du bien-être et éliminent les douleurs ou les maladies. S'il est bien de prêter attention à différents points pendant une session ou un traitement, certains d'entre eux sont plus importants que d'autres ou servent pour une douleur en particulier. Dans cet article, nous allons parler du point Linggu, qui vous apporte un soulagement immédiat pour les douleurs de sciatique et des lombaires. Découvrez-en plus à ce sujet. Linggu, un point auquel il faut prêter attention. Le point Linggu, dont la traduction veut dire au de l'esprit, peut être travaillé au quotidien pour soigner divers problèmes, surtout ceux en lien avec le dos. C'est pour cela qu'il est le point préféré des personnes qui travaillent devant un bureau toute la journée. Ce point d'acupuncture a été découvert par le maître Tin, un médecin d'origine chinoise connu dans son pays pour les résultats qu'ils obtenaient sur les patients grâce à des techniques particulières. Ce qui le différencie des autres, c'est qu'il utilise peu d'aiguilles et qu'il arrive à de meilleurs résultats. Les points du maître Tin sont restés secrets pendant plusieurs générations, jusqu'à ce qu'il décide de les révéler à un groupe d'étudiants. De cette manière, aujourd'hui, nous pouvons tous en bénéficier. Le point Linggu se trouve dans la partie au-dessus de la main, plus précisément entre le premier et le deuxième métacarpe, c'est-à-dire entre le pouce et l'index, un peu plus haut que la partie molle qui permet l'articulation du pouce. Si vous mettez un doigt de l'autre main au niveau de ce point, vous vous rendrez compte qu'il y a une sorte de creux. Ce point, au moment où il est travaillé, soulage rapidement la douleur de sciatique et des lombaires. Cette forte douleur qui part du bas du dos et qui s'étend jusqu'à la jambe, empêche la personne qui en souffre de réaliser les mouvements normalement. Pour que l'effet soit celui espéré, l'aiguille doit être placée sur le point Linggu contraire. C'est-à-dire que si la douleur provient de la jambe droite, il doit être travaillé sur la main gauche. Dans 75% des cas, la personne ressent un soulagement après quelques minutes. Ce point est aussi utilisé pour les douleurs de dos, ainsi que les maux de tête et de pied, les douleurs menstruelles et la paralysie de Bell. C'est un point si sensible qu'il ne doit pas être effleuré lorsqu'une femme est enceinte car il peut provoquer l'accouchement. Il est possible de soulager la douleur en appuyant sur la main. Selon les experts du point Linggu, également connu sous le nom de aigu, le fait d'appliquer une pression sur cet endroit situé entre le pouce et l'index peut calmer l'anxiété et les douleurs de dos, surtout celles de la sciatique ainsi que les maux de tête et les douleurs dentaires. Les acupuncteurs traitent ce point avec des aiguilles, mais nous pouvons également exercer nous-mêmes une pression sur cet endroit. Parmi les 300 points qu'il existe dans le corps selon l'acupuncture chinoise, le traitement du point Linggu paraît être l'un des plus utiles, surtout pour soulager les douleurs de la colonne vertébrale et du dos. Si les études ne sont pas assez nombreuses pour prouver son efficacité, il faut savoir que la médecine traditionnelle asiatique le considère comme l'un de ses préférés depuis des centaines d'années. On ne sait pas encore exactement comment fonctionne le point Linggu. Une étude récente sur les traitements avec des aiguilles d'acupuncture sur les mains indique qu'il augmente le flux sanguin et c'est pour cela qu'il a la capacité de soulager les douleurs. D'autres recherches suggèrent qu'il fonctionne en stimulant la production d'endorphines, hormones connues comme étant des analgésiques naturels. Les acupuncteurs travaillent en général avec le point Linggu et en font une partie d'un programme personnalisé pour soigner les douleurs, qui inclut une variété d'autres points dans le corps. Par exemple, les points qui doivent être traités chez un patient souffrant de troubles de l'anxiété sont différents de ceux qui servent à traiter quelqu'un ayant des douleurs menstruelles. Cependant, le point Linggu est probablement un dénominateur commun pour les deux traitements. Pour manipuler vous-même votre point Linggu, les acupuncteurs expliquent qu'ils doivent mettre un doigt sur la partie charnue qui existe entre le pouce et l'index de la main opposée. Mettez l'index de l'autre main sur cet endroit et appuyez avec force. Si vous le faites bien, cela vous fera mal.
Une ou deux minutes peuvent être suffisantes, mais les bienfaits commencent à apparaître après 20 ou 40 minutes de pression constante. Si vous ne ressentez aucun soulagement avec la pression sur la main, essayez avec l'autre. L'idée est de pouvoir faire ce traitement ou cette technique seul, quand vous êtes chez vous, au bureau ou dans le bus. Il n'est pas conseillé d'utiliser les aiguilles sans les connaissances adéquates ou sans la supervision d'un expert. Le fait d'exercer une pression sur le point aigu vous fera vous sentir mieux quand vous ressentirez cette douleur de dos ou de sciatique, de maux de tête ou du ventre pendant les règles. Essayez de le faire pendant une demi-heure et n'attendez pas le moment où vous ne pouvez plus supporter cette douleur du bas du dos.